Bonjour mes bien-aimés, bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, alléluia. Prions au nom de Jésus, Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons merci, merci mon Dieu, mon roi, pour les souffres de vie que tu nous accordes aujourd'hui. Merci puisque nous sommes allés au lit, mon Dieu, mon roi, hier soir, nous sommes endormis. Et ce matin, papa, tu nous as réveillés, tu nous as accordé le souffle de vie gratuitement, tu nous as donné l'oxygène gratuitement, tu nous as donné la force de marcher et nous habiller de faire tout ce que nous avons fait jusqu'à cette heure-ci. C'est pourquoi, Père très saint, te disons merci. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie de mes bien-aimés qui sont à la ligne. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous toute la nuit. Tu nous as protégés contre toutes les attaques de l'ennemi. Tu nous as protégés, tu as combattu pour nous, un bon commandement, mon Dieu, mon roi, pour nous faire voir encore cette journée aujourd'hui, le 6 mai 2021. Papa, que l'honneur, la louange et gloire, adoration te reviennent au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons auprès de toi ce matin, nous abandonner à tes sept mains. Nous recommandons encore cette journée à tes sept mains, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi, mon Dieu, mon roi, que tu marches devant nous durant cette journée. Cela au nom de Jésus-Christ. Que tu as fini le chemin devant nous au nom de Jésus-Christ. Que toutes les plaies que l'ennemi a planées toute la nuit pour accomplir cette journée soient anéanties, renversées, rendues et sans effet. Cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de cet esprit nous dirige et nous conduise à cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous abandonnons nos bien-aimés qui vont aller au travail, ceux qui vont aller à l'école ce matin à tes sept mains, mon Dieu, pour que tu les protèges, que tu les diriges, que tu sois avec eux partout où ils seront. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout âme forgée contre eux, au nom puissant de Jésus-Christ, je leur ai les sans effet. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, tous ceux qui s'assembleront, se lèveront contre nous, mon Dieu, mon roi, ils tomberont sous notre pouvoir. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, béni soit ton nom, béni cette journée, béni la vie de mon frère, béni la vie de ma soeur, la vie de nos enfants, partout ils sont, mon Dieu, mon roi, que cette journée soit une meilleure journée, journée de paix, de joie, d'allégresse, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Nous recommandons ce moment de notre méditation, de notre prière matinale de cette main. Père, parle-nous, donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, un mot d'encouragement pour la journée d'aujourd'hui et au nom de Jésus-Christ, bénis les instruments que nous utilisons, nous les projets tous à l'essentiel de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Et bien aimé, notre méditation de ce matin, c'est sur le livre des Colossiens, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9. Nous devons rendre grâce à notre Dieu chaque jour, chaque jour, chaque instant, puisqu'il est le Dieu qui nous aime. Vous voyez, nous sommes allés hier au lit, on est endormis, mais jusqu'au matin, il nous a réveillés. Si on peut nous ouvrir les yeux spirituels pour voir comment il a combattu pour nous durant la nuit, bien-aimé, je ne sais pas comment tu vas louer l'Éternel, je ne sais pas comment tu vas le remercier, mais même savoir tout ce qu'il a vu, ce qu'il a fait pour nous, nous devons toujours le louer, l'adorer, pour savoir qu'il a combattu pour nous. C'est grâce à lui que nous avons vu cette journée aujourd'hui de jeudi. Et il faut, mes bien-aimés, qui fêtent aussi leurs anniversaires aujourd'hui, alléluia, nous rendons grâce à notre Dieu. Puisqu'il est bon, il est bon. C'est lui qui nous a protégés depuis la France jusqu'à cette heure. Il nous a portés. Alléluia. Depuis le sein de votre maman jusqu'aujourd'hui, continue toujours à vous porter. Alléluia. Et jusqu'à votre vieillesse. Alléluia. Vous continuerez toujours à porter des fruits. Alléluia. À être toujours verdoyant. Alléluia. D'avoir toujours la force comme une force de bœuf au nom de Jésus-Christ. Et la force d'un aigle. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que la louange, l'honneur, la gloire, la de l'Éternel. La gloire soit rendue à notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous lisons 1 Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés
le jour que nous avons été informés de ça, de rendre grâce à notre Dieu, jour et nuit. Alléluia. Il est le Dieu qui nous aime, il est le Dieu qui t'aime, mes bien-aimés. Alléluia. Nous, c'est pour cela que nous continuons à rendre grâce à notre Dieu, jour et nuit, puisqu'il est amour, puisqu'il est bon. Alléluia. Il est bon, il est bon. Depuis, oui, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté à toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être naturellement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, à sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toutes les créations. Car à lui, on a été créé, car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent à lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'être le mort, afin d'être à tous le premier. Alléluia, mes bien-aimés. C'est ça notre parole que notre Dieu nous donne ce matin. Alléluia. 1 Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Que Dieu bénisse sa parole. Pardon des interférences. Mes bien-aimés, notre titre, c'est de rendre grâce à notre Père, rendre grâce à notre Dieu, celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a amenés dans son royaume de lumière. Souvent, nous approchons de Dieu seulement pour demander. Nous approchons de Dieu pour présenter nos problèmes. Nous nous approchons de Dieu pour raconter nos histoires, nos afflictions, nos oppressions. Mais nous oublions de rendre grâce à Dieu.
Si tu regardes comment Dieu combat pour toi jour et nuit, si tu regardes comment Dieu est en train de te délivrer, si tu regardes comment Dieu est en train d'ouvrir les portes devant toi, si tu regardes comment Dieu est en train de te bénir, mes bien-aimés, c'est un sujet de rendre grâce à notre Dieu chaque jour, de louer notre Dieu chaque jour. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul, et alléluia, il exhortait au peuple, aux Colossiens, il disait, alléluia, puisqu'il a attendu leur foi, en voyant leur foi, leur persévérance dans le Seigneur. Il a dit, c'est pour cela, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Mes bien-aimés, et de la connaissance de sa volonté à toute sagesse et intelligence. Ça, c'est aujourd'hui notre prière pour vous, notre prière pour nos enfants, notre prière pour nous-mêmes. Nous continuons chaque jour. C'est pourquoi la raison pour laquelle nous sommes là, chaque jour, pour demander à Dieu, pour prier à Dieu, afin que Dieu nous rappelle de sa sagesse, et nous donne la sagesse, nous donne l'intelligence, et Dieu nous donne la bonne santé, que Dieu nous affermi, que Dieu nous donne l'intelligence, l'intelligence spirituelle pour prendre les bonnes décisions, pour connaître les bonnes routes à prendre. Mes bien-aimés, c'est dans les prières de chaque jour. Nous prions chaque jour. Et c'est toi aussi, en tant que parent, c'est aussi une prière que nous devons prier pour nos enfants chaque jour, afin que Dieu remplisse nos enfants de la connaissance de sa volonté, que nos enfants connaissent Dieu, que nos enfants marchent selon la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et à toute sagesse et intelligence spirituelle. Que Dieu leur donne un esprit supérieur. Nous prions toujours pour que Dieu donne à nos enfants un esprit supérieur, un esprit de créativité pour créer, alléluia, pour créer des activités, pour créer des entreprises, pour créer du travail, alléluia. C'est une prière aussi pour nous et pour vous qui avez reçu Jésus-Christ. Que Jésus-Christ nous donne aussi cette esprit de connaissance pour connaître quelle est la volonté de Dieu dans ma vie, pourquoi j'existe, pourquoi je suis à vie encore jusqu'aujourd'hui, pourquoi Dieu me laisse en vie jusqu'aujourd'hui. Oh, ceux qui sont nés ensemble avec moi, la plupart sont déjà partis, alléluia, à la gloire. C'est une raison de louer le Seigneur, de lui rendre grâce chaque jour, mes bien-aimés. Alléluia. Dans le verset 10, il dit, pour marcher digne du Seigneur et lui être actuellement agréable. Nous devons marcher digne du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Il nous donne la vie, il nous a laissé la vie jusqu'aujourd'hui. Nous devons marcher avec lui puisqu'il nous aime beaucoup, mais Dieu n'aime pas le péché, mes bien-aimés. Il t'aime, il n'aime pas le péché. Alors nous devons marcher selon ses ordonnances. Il nous a donné des lois, les 10 commandements. Il nous a donné les 10 commandements. Il nous a donné qu'est-ce qu'il faut faire. Il nous montre, comme dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, ce sont des histoires à ne pas faire. Il nous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne pas faire. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons marcher, alléluia, digne du Seigneur, lui être agréable, portant des fruits à toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Nous devons porter le fruit, mes bien-aimés. Quand tu as reçu Jésus-Christ, il faut que tu présentes aussi Jésus-Christ aux autres. Alléluia. Comme dans le livre de Jean chapitre 15, verset 16, nous dit que c'est à vous, alléluia, c'est Dieu qui nous a aimés. Dieu nous a aimés, il nous a choisis. Il nous a choisis, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis et il nous a établis. Et ce qu'il veut de nous, c'est de porter des fruits, que nous portons des fruits, que ces fruits arrivent jusqu'à la maturité. Alléluia. Et tout ce que nous demanderons à notre Dieu, il nous donnera. Si nous marchons ensemble avec lui, si nous portons des fruits, les fruits de repentance, si nous demandons quelque chose au nom, alléluia, au Père, au nom de Jésus-Christ, il va nous donner tout ce que nous avons besoin. C'est même une condition de marcher avec lui. Une seule condition de respecter le commandement de l'Éternel, de marcher de la voie de la sanctification, de pratiquer la justice, mes bien-aimés. Alléluia, de nous sanctifier à chaque instant pour être à côté de lui. Alléluia, de marcher ensemble avec lui. Nous devons marcher digne du Seigneur, mes bien-aimés, et lui être agréable,
portant des fruits à toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Comment on peut croître dans la connaissance de Dieu? C'est en étudiant la parole de Dieu, en lisant la Bible, avec l'aide du Saint-Esprit, et nous allons comprendre les Écritures, comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse et qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse? Puisqu'il y a dans la Bible, il y a les histoires qui nous montrent comment, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et quand nous méditons la parole de Dieu, on ne les lit pas comme un journal. Il faut lire la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il faut demander maintenant que l'Esprit te dirige. Il y a de qu'est-ce que j'ai lu sur cette parole, quels sont les bons voies à suivre, qu'est-ce qu'il faut laisser dans ma vie, cette parole, qu'est-ce que cette parole me parle moi-même, alléluia, moi qui lis cette parole, qu'est-ce que cette parole me dit, qu'est-ce qu'il faut que j'abandonne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma vie, qu'est-ce qu'il faut que j'augmente, alléluia, que je continue à faire, que je continue à pratiquer dans ma vie. C'est comme ça que nous méditons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Alors, il nous dit, fortifiez-vous à tout égard par la puissance glorieuse de notre, alléluia, en sorte que vous soyez toujours et avec persévérance et patience. Alléluia. Mes bien-aimés, nous devons persévérer dans la parole de Dieu, nous devons persévérer dans la voie de l'Éternel et à être patient, patient dans l'affliction, patient dans tout ce qui nous arrive. Savoir que Jésus-Christ est là, notre Dieu est là, Dieu le Père est là pour nous délivrer de nos afflictions, de tous nos péchés. C'est pourquoi nous devons toujours rendre grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage de ces dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia, à qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Jésus-Christ est venu, il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu, il nous a rachetés du ténèbres, il nous a rachetés du péché, il a pris nos péchés, il a pris nos afflictions, il a pris nos maladies, il a pris nos problèmes et il nous a crucifiés sur la croix de Golgotha, car il a dit tout est accompli, mes bien-aimés. Alors pourquoi demeurer dans le murmure? Pourquoi demeurer dans les inquiétudes? Nous devons nous confier à notre Dieu. Il est notre Dieu, alléluia. Il a pris tout sur la croix de Golgotha pour nous-mêmes. Ce que Dieu nous demande, c'est de marcher avec lui. Nous voyons quand il a appelé Abraham. Alléluia. Encore, Abraham de marcher avec lui. Regarde dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, chapitre. Le livre de Genèse, chapitre 17. Alléluia. Dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham a fait, alléluia, il avait l'âge de 99, c'est-à-dire, alléluia, 9. Et l'Éternel lui apparaît et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Alléluia. Il est le Dieu de tout-puissant. Il nous demande de marcher avec lui, marcher devant lui et nous devons être intègres quand nous marchons avec l'Éternel. Si nous voulons voir la main de l'Éternel dans notre vie, si nous voulons vivre la bénédiction de l'Éternel, toutes les promesses que Dieu nous a promis dans ce livre, si nous voulons voir ces promesses accomplies dans nos vies, mes bien-aimés, nous devons marcher avec Dieu avec l'humilité, marcher avec Dieu dans toute l'intégrité, marcher avec Dieu dans la sanctification, mes bien-aimés, et à obéir ses voies. Et c'est là que nous allons hériter les bénédictions de l'Éternel. Alléluia. Apôtre Paul continue toujours à nous exhorter, mes bien-aimés, selon le livre d'Éphésiens, chapitre 4, alléluia, verset 1. Il vous exhorte donc de marcher d'une manière, alléluia, d'invocation qui vous a été, alléluia, adressée. Nous devons marcher, toi qui es appelé enfant de Dieu, toi qui es appelé né de nouveau, nous devons marcher ensemble avec Dieu. Comme tu as accepté d'abandonner le monde pour donner ta vie à Jésus-Christ, nous devons marcher selon Jésus-Christ. Jésus-Christ marchait partout, il allait avec compassion, marchait pour guérir, délivrer, sauver, l'amour, puisqu'il avait l'amour en lui. C'était cet amour qui lui poussait à faire tout ce qu'il faisait, de guérir, de délivrer, de bénir, de donner même la nourriture à manger à ceux qui le suivaient, mes bien-aimés. C'est ça que c'est un exemple.
exact à suivre. Nous devons marcher avec Dieu dans l'humilité. Jésus-Christ, qui était Dieu, alléluia, le Fils de Dieu, mais il ne s'est pas fait incarner. Tout ce qu'il faisait, c'est mon Père. Tout ce que j'ai fait, c'est mon Père. C'est ce que mon Père me dit de faire. C'est ce qu'il faisait. Mais bien aimé, nous, c'est pourquoi nous devons marcher avec Dieu. À nous humilier comme Jésus-Christ est humilié devant Dieu, marcher avec Dieu dans l'amour, marcher avec Dieu avec compassion, compassion des âmes, compassion des autres, mes bien-aimés. Alléluia. Et le dire, nous sommes maintenant verset 16, car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Mais bien aimé, au commencement, c'était la parole et la parole était Dieu. Alléluia. Même dans le Genèse chapitre 1, verset 1, 2 jusqu'à 3, il dit que nous voyons au commencement, le monde était, la terre était informe, était dans le noir, et l'Esprit de Dieu qui mouvait sur la surface de l'eau. Et Dieu a dit, alléluia, que la lumière soit et la lumière fut. De voir, après savoir que la lumière, ils ont créé tout ce qu'ils ont créé, c'était avec Jésus-Christ. Et même quand il a dit que créons l'homme, alléluia, à notre image, à notre ressemblance, Jésus-Christ était dès le commencement, mes bien-aimés. Tout a été fait pour nous, ce qui est visible et invisible, les autorités, les trônes et les dominations. Tout Jésus-Christ est au-dessus de tout. Alors, toi qui as Jésus-Christ, pourquoi tu marches encore dans la crainte? Tu as tout, puisque Jésus-Christ a un nom qui est au-dessus de tout nom. Tout au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Il est là au-dessus de toutes les principalités. Il est au-dessus de toutes les sorciers, des marabouts, des occultistes. Il est au-dessus de tout, mes bien-aimés. Alors, toi qui as Jésus-Christ, il faut seulement garder la foi, continuer à marcher ensemble avec Dieu. Alléluia. Il était avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'être le mort, afin d'être à tout le premier. Alléluia. Jésus-Christ est le premier, mes bien-aimés. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand tu as Jésus-Christ, la Bible nous dit que si tu as Jésus-Christ, tu as tout. À Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. À Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. À Jésus-Christ, nous avons la santé. À Jésus-Christ, nous avons la délivrance. À Jésus-Christ, nous avons la guérison. À Jésus-Christ, nous avons tous mes bien-aimés. Alléluia. Comme Dieu nous a aimés, mon Dieu, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous avons envoyé son Fils. Alléluia. Dieu est amour, Dieu est amour. Éphésiens chapitre 1, verset 7, il nous dit, à lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. Il nous a réconciliés avec le Père, il nous a pardonnés. Il nous a pardonné à cause de son sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Il nous a pardonné nos péchés. Il nous a menés, alléluia, à côté de Dieu le Père. Il faut savoir que tu es un enfant de Dieu. Et quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, il faut connaître qui tu es à Jésus-Christ, qui tu es à Dieu. Et quand tu connais ce que tu es droit, il faut maintenant réclamer ce que tu as. Tes droits, réclamer tes droits. En tant qu'un enfant, nous avons des enfants à la maison. Un enfant, avant de se matin, avant d'aller à l'école, papa, maman, donne-moi 50 et 50, puis je vais aller acheter le bonbon, je vais aller acheter le biscuit avant d'arriver à l'école. Et papa, tu vas donner à ton enfant. Alors, combien plus fort raison, notre Père Céleste, si nous demandons à ne pas nous donner, comme nous avons lu dans le livre de... dans le livre d'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, alléluia, Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous donnera. Alors, si nous demandons à notre Père la santé, la guérison, la délivrance, la richesse, il va tous nous donner, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous approchons ce matin, nous allons prier à notre Dieu. Toi, tu connais ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons nous présenter devant notre Dieu pour demander tout ce que nous voulons, tout ce que tu veux, et Dieu est là pour te donner. Amen. Nous allons prier pour quelques minutes qui nous restent, mes bien-aimés. Nous allons prier. D'abord, la première prière, c'est sur le verset 9. Le verset 9
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance et de sa volonté. Nous allons demander à Dieu de nous rappeler de la connaissance et de sa volonté et à toute sagesse et d'intelligence spirituelle. Que Dieu nous donne la connaissance de sa volonté, connaître quelle est la volonté de Dieu dans ma vie, quelle est la volonté de Dieu dans la vie de mes enfants. Nous allons prier, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu de gloire, Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce passage, pour cette parole que tu nous as donnée ce matin, au nom de Jésus-Christ. Père, nous voici devant toi, avec mes bien-aimés, avec nos enfants, pour demander, Père très saint, que tu nous remplisses ce matin avec la connaissance de ta volonté. Nous voulons te connaître encore, Père très saint. Nous voulons te connaître mieux au nom de Jésus-Christ. Donne-nous cette connaissance de connaître ta volonté, mon Dieu, mon roi, afin que nous marchions ensemble avec toi et fais tout ce qui te plaît, mon Dieu, mon roi, et non notre volonté au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la sagesse, mon Dieu, mon roi, la sagesse de prendre de bonnes décisions, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous l'intelligence, mon Dieu, mon roi, intelligence spirituelle. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme tu avais donné à Daniel. Daniel, il avait un esprit supérieur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous cet esprit supérieur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, qui a permis Daniel d'observer tes lois, de te craindre et de prier malgré la loi. Alléluia, du pays, mais il restait s'attacher à toi. Alléluia, la crainte de l'Éternel. C'est pour ça que nous prions ce matin, nous demandons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Donne aussi à nos enfants, mon Dieu, mon roi, cette connaissance et ta volonté afin qu'ils te connaissent au nom de Jésus-Christ. Avec nos enfants aussi, marche selon la crainte de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Car la crainte de l'Éternel, alléluia, le commencement de la sagesse, que tu leur donnes la crainte de l'Éternel et l'intelligence, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne à nos enfants l'intelligence et un esprit supérieur au nom puissant de Jésus-Christ, un esprit supérieur pour, alléluia, pour gagner, mon Dieu, mon roi, alléluia, dans tout ce qu'il faut, mon Dieu, mon roi, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous, mon Dieu, mon roi, cet esprit supérieur, mon Dieu, mon roi, pour bien prendre des décisions, pour bien marcher avec toi et te rendre des amis de gloire. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous un esprit de créativité pour créer des activités, pour créer des commerces, pour créer des business, pour créer, Seigneur, des emplois. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci de cet esprit. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cet esprit supérieur que tu nous as donné, pour l'intelligence spirituelle que tu nous as donné, pour la connaissance de ta volonté que tu nous as accordé ce matin. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien, nous allons prier selon verset 10 pour dire, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être naturellement agréable, portant des fruits à toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Nous allons demander à Dieu, alléluia, de cet esprit de nous aider toujours de marcher digne du Seigneur, alléluia. Marcher digne du Seigneur, c'est-à-dire marcher en obéissant les commandements de Dieu, en mettant en pratique les commandements de Dieu, en marchant selon la sanctification, la sainteté et de pratiquer la justice, alléluia, pour qu'on soit agréable à notre Dieu. Prions, mes bien-aimés. Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous avons besoin de ton Esprit Saint, que cet Esprit nous aide à marcher digne de toi, au nom puissant de Jésus-Christ, à marcher, mon Dieu, pour nous voulons être agréables, ô éternel de salut. Mais de gloire, que cet Esprit nous aide, au nom puissant de Jésus-Christ, que Papa, que tu circoncis nos cœurs, que tu enlèves la méchanceté de nos cœurs, que tu enlèves le cœur de pierre et donne-nous le cœur de chair, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons marcher avec toi dans l'humilité, nous voulons marcher avec toi, Seigneur Jésus. Que c'est l'obéissance. Nous voulons obéir à tes commandements. Nous voulons mettre en pratique tes commandements. Nous voulons voir, nous voulons marcher dans tes voies. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons marcher dans ton chemin. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que nous voulons pratiquer la vérité au nom de Jésus-Christ. Ô Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ, aide-moi, bien-aimé, dans nos faiblesses, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-nous et te rends des amis. Le péché qu'on n'arrive pas à abandonner, donne-nous
cette force d'abandonner ce péché. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ta lumière, alléluia, éclaire nos sentiers. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons porter de fruits, que nos fruits, mon Dieu, mon roi, arrivent jusqu'à la maturité. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, comme ta parole déclare, que, alléluia, qu'apportant des fruits, alléluia. Et tout ce que nous demanderons au Père, alléluia, le Père va nous donner, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te présentons nos requêtes ce matin. Au nom de Jésus, nous voulons porter des fruits. Nous voulons porter des fruits à toutes sortes de bonnes œuvres, mon Dieu, mon roi. Croisons par la connaissance de Dieu. Nous voulons te connaître mieux, connaître mieux et marcher avec toi. Que ta gloire, mon Dieu, se manifeste dans nos vies, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants et à la vie de mes bien-aimés. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Fortifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-nous, cet esprit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Par ta puissance est glorieuse, alléluia, afin que nous soyons toujours persévérants et patients au nom de Jésus-Christ. Donne-nous l'esprit de foi, augmente nos foi au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous l'esprit de persévérance pour persévérer dans la prière, persévérer dans la méditation de ta parole, persévérer dans ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Et être patient, mon Dieu, mon roi, dans l'affliction, sachant que l'affliction, mon Dieu, mon roi, alléluia, donnera la victoire au nom de Jésus-Christ. Père, tu es béni, je te glorifie parce que tu écoutes et tu connais la vie de mon frère, tu connais la vie de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, j'avais ainsi prié. Amen. Mais bien aimé, verset 12, nous allons rendre grâce à notre Dieu. Regarde tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Si tu as vu aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alors nous allons rendre grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, pour les enfants qu'il nous a donnés, pour les mariages qu'il nous a donnés, pour la famille qu'il nous a donnée, pour le travail qu'il nous a donné, pour les promotions, pour les révoltes, tout ce que Dieu fait pour nous, pour la santé, pour la guérison qu'il nous donne. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très, je te rends grâce et te rends des amis de quoi pour ton amour infini envers moi. Oh, tu m'as aimé depuis le commencement, nous te rends des amis de gloire. Depuis le ventre de ma mère, tu as pris soin de moi jusqu'aujourd'hui. Tu continues toujours à me porter. C'est pourquoi je te rends grâce, je te glorifie, je t'adore, puisque tu es bon. Tu es bon pour moi, mon Dieu, mon roi. Tu es bon pour mes bien-aimés. Tu es bon pour ma maison. Tu es bon pour mes enfants. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour mon pays. Tu es bon, Seigneur, pour ce pays où nous sommes aujourd'hui. Ici en Angleterre, mon Dieu, mon roi, tu es beau, c'est pourquoi nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais, nous te rendons des amis. C'est toi qui nous délivres de la prise de l'ennemi, c'est toi qui nous as délivrés, alléluia, tu nous as transportés du royaume des ténèbres à ton royaume de lumière, mon Dieu, mon roi. Te disons merci pour la grâce que tu nous as fait te connaître, de te connaître, mon Dieu, de te suivre tes voies. Te disons merci. Te disons merci pour ta miséricorde que tu es venu avec nous au nom de Jésus-Christ. Te disons merci puisque tu as le Dieu omniscient, omnipotent, omniscient. Tu vois, tu connais mes bien-aimés partout là, ils sont dans les quatre écoles du monde. Tu les connais, ils te rendent des amis. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs, alléluia, tu as des solutions à leurs problèmes, mon Dieu, mon roi. Oh, c'est toi qui délivres, c'est toi qui sauves, alléluia. Le Dieu de résurrection, c'est la terre, la résurrection et la vie. Et disons merci pour tout ce que tu fais dans la vie de mes bien-aimés. Merci pour cette maladie qui n'apportera pas mes bien-aimés, alléluia, au tombeau, au nom de Jésus-Christ. Merci pour que tu vas glorifier ton nom, mon Dieu, mon roi, à cette affliction de mon bien-aimé, à la maladie de mon bien-aimé, tu vas glorifier ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Je te rends grâce, mon Dieu, mon roi, pour le chemin, alléluia, que tu as ouvert, les portes que tu as ouvert devant mes bien-aimés, les portes que tu nous as ouvert au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour ce ministère, alléluia, de global acte apostolique et ministre, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci le roi des rois, merci de ta puissance, pour la Bible déclare que tu renouvelles ta beauté chaque matin. Nous savons que ce matin, mon Dieu, mon roi, tu as tracé de bons chemins pour nous, et cela au nom de Jésus-Christ, nous te couronnons d'action de grâce ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous allons recommander la journée entre les mains de l'Éternel. Alléluia, nous allons annuler tout ce que tous les plans de l'ennemi, tout ce qu'ils ont planifié toute la nuit pour accomplir aujourd'hui. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ, je viens recommander cette journée à tes sept mains, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette journée, la journée de si, alléluia, mais c'est une journée de paix, journée de joie, journée de bénédiction, et au nom de Jésus-Christ, que la grâce, alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ, ou que ta faveur, Seigneur Jésus-Christ, soit avec nous aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, et que la grâce, alléluia, que le Saint-Esprit, alléluia, nous
bouche, nous ouvre les yeux, nous ouvre les oreilles pour écouter ta voix, pour voir tes merveilles aujourd'hui, au Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, nous soutienne et nous dirige aujourd'hui, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ne permet pas à mes bien-aimés d'être dans un mauvais endroit, à un mauvais temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés ne tomberont pas dans les pièges de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Nos enfants ne tomberont pas sur le piège de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne tomberai pas sur le piège de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, marche devant nous. Tout ce que les sorciers, les magiciens, les occultistes, alléluia, ont planifié toute la nuit pour accomplir aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus-Christ et par le nom de Jésus-Christ, je viens renverser et détruire, anéantir leurs plans, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les pièges qu'ils ont tendus, ils tomberont, et même sur cette piège, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu vont sauter, alléluia, personne ne tombera sur les pièges de l'ennemi, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom aujourd'hui dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, dans la vie de nos enfants, glorifie ton nom, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Protège à nous, Seigneur Jésus-Christ, que les anges de protection, les anges de sécurité nous accompagnent aujourd'hui, et cela au nom de Jésus-Christ, que les anges de bénédiction localisent ton enfant pour le bénir aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, que les anges de guérison, mon Dieu, mon roi, alléluia, localise tes enfants pour les guérir, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, car il n'y a pas de maladie incurable devant toi, au nom de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, alléluia, je te bénis puisque tu es bon pour nous, alléluia, nous te rendons grâce car tu es celui qui est, qui était, alléluia, et qui vient, et sera au nom puissant de Jésus-Christ, te disons merci, 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 que cette journée soit la meilleure. Alléluia, et pour ceux qui fêtent leurs anniversaires, Seigneur, je te dis encore merci pour nous avoir accordé encore une année de plus, mon Dieu, mon roi, à leur vie. Merci de nous avoir protégés depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Tu comptes toujours les porter et tu as encore de bons, alléluia, de bons plans, mon Dieu, mon roi, des plans de bonheur, alléluia, dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que tes promesses s'accomplissent dans leur vie, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, papa, que l'amour et la paix, la joie, alléluia, nous accompagnent aujourd'hui, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, et merci, le roi des rois, merci, les bons bergers, que la louange, l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous sommes amen. Amen, amen. Mes bien-aimés, que le sang de Jésus-Christ vous couvre, vous protège, vous rende invisible et inaccessible aux attaques de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous couvrons nos enfants, nous-mêmes dans le sang de Jésus-Christ, tout ce que nous allons manger, porter, nos voitures, le transport que nous allons utiliser, alléluia, nous couvrons tout ça dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne et nous accompagne aujourd'hui, et cela au nom de Jésus-Christ, nous avons su prier. Amen. Amen, 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 shalom, shalom, mes bien-aimés. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Happy birthday pour nous. Pour ceux qui sont en train de célébrer leur anniversaire aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. On s'appelle après. Gloire à Jésus-Christ. Amen.